tout de suite Guy Delorey. Est-ce qu'il va prendre le meilleur départ avec Fortunity, le 5, avec à son intérieur Free Victory, le numéro 4. En troisième position, on retrouve l'As Freedom du Pack avec Elvera, le 7, qui est également bien parti. Et tout à l'extérieur, le numéro 8, Epona Donné. Allez, avec toujours le 5 en tête, Fortunity qui se dégage hein, de Free Victory. À distance, déjà, il y a Galaxy du Condros, le 3, avec l'As Freedom du Pack. Oh, il n'a pas décidé d'attendre, hein, Guido, avec Fortunity. Il, on dirait pratiquement Humeros du Goutier là, qui s'en va avec ce numéro 5, Fortunity, qui a pris 3 sulky d'avance sur le numéro 4, Free Victory, elle-même détachée de l'As Freedom du Pack. Peloton qui a explosé, ça va trop vite en tête pour certaines. À l'arrière, on retrouve notamment Galaxy du Condros qui ferme la marche. Allez, Fortunity, Guy Delorey, lorsqu'il fait ça en général, il va très très loin. Hein. Le 5 devant le 4, Free Victory, l'As 3ème, Epona Donné en dehors du 9, c'est Étoile de À la faute numéro 3, Galaxy du Condros, qui perd toute chance sur cette incartade, même si elle n'est pas disqualifiée pour l'instant. On va bientôt repasser dans les tribunes avec le 5 Fortunity qui a l'avantage dans son sillage de bon parcours pour Free Victory. Le 2 au galop à l'arrière également, c'est Gypsy Ocagne. Ouais, c'est dommage, avec le 5 en tête, Fortunity donc toujours devant le 4. Ensuite, il y a l'As qui suit comme il peut, le 8 est poney. Puis on attend avec Godin de Valfork le 6. On est à un tour du but désormais, c'est le numéro 5 qui a l'avantage depuis le départ à Fortunity. Dans son sillage, le 4, Free Victory, en troisième position, Freedom du Pack Class, avec le numéro 8 qui vient ensuite, il s'agit des Polanais, Étoile de la Haye, le 9 est toujours parmi les derniers avec Elvera et Godin de Valfork. Galaxy du Condros qui n'a pas été disqualifié et qui recolle au peloton, attention. Avec le 5, Fortunity en tête, devant le 4, toujours Free Victory, ensuite l'As, Freedom du Pack et Guido qui repart devant. Ouais, avec toujours ce numéro 5 Fortunity qui a l'avantage depuis le départ et qui mène grand train. Hein. Le 4 Free Victory a quand même eu le bon parcours hein, dans son sillage. Si on a les ressources pour déboîter, c'est possible. Et puis l'année qui s'écarte, alors sans doute disqualifié pour allure parce qu'on s'écarte totalement à cet instant. Oui, avec le 5 Fortunity, dernier tournant en vue. En tête devant le 4, l'effort du 7, Elvera qui fait un truc là sans suite. Et puis dans la corde, Anna Huggins, très intelligente, passe deuxième là avec Étoile de la Haye. Attaque numéro 4, Free Victory qui laisse sur place le numéro 5 Fortunity qui a peut-être été trop vite. Le 4 qui prend l'ascendant à la sortie du tournant final avec le numéro 9, Étoile de la Haye qui est en deuxième position. Le 5 Fortunity qui va essayer de garder une place avec toujours le numéro 4, Free Victory qui a l'avantage. Attention à Étoile de la Haye qui fond maintenant sur elle. Avec Free Victory qui va résister peut-être à Étoile de la Haye qui vient de plus en plus vite. Le 4 devant le 9, la troisième place pour le 5, hélas, sera quatrième. Oui, exactement. J'ai même cru qu'elle allait gagner Anna Huggins. C'était vraiment... Mais que c'était bien vu hein, de sa part dans le dernier tournant.